Samy Boutouil, je suis nageur marocain, fier de représenter mon pays aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Pour ce qui concerne de la préparation, je me suis bien préparé avec mon entraîneur en France, Karim Boussalem, au club de Créteil. Franchement, c'était une année difficile avec le Covid, mais et avec nos conditions de travail aussi, mais on a réussi à trouver les ressources nécessaires à cette qualification pour les Jeux Olympiques. Et voilà, maintenant aux Jeux Olympiques, on va faire du mieux qu'on peut, on va essayer de représenter le Maroc du mieux possible. Et voilà. C'est pas vraiment mes amis, mais il y a vraiment beaucoup de niveaux. Vraiment beaucoup de niveaux. Des stars comme Des ça, stars, des noms, il y a des noms. des. Ouh là là, des Oulala. Caleb Dressel, des Américains, les Japonais, les Roumains, les Français, il y a vraiment beaucoup de clients. Donc on va faire du mieux possible et voilà. À l'avenir, Paris 2024, on va essayer de hisser le drapeau marocain encore plus haut, toujours plus haut, essayer de faire une finale et pourquoi pas, si Dieu le veut, un podium. Amis visiteurs du CTV, téléspectateurs du CTV, tout. Mes amitiés, donc dans notre processus, notre stratégie de rapprocher nos athlètes marocains qui seront présents à Tokyo, les JO 2020. Donc aujourd'hui, on est chez Lina Khiara du club Raja Natation. Elle va vous rapprocher davantage de ce qu'elle fait, les préparatifs et tout ça. Bienvenue. Merci. Donc. Ici, la semaine dernière, j'étais en stage avec mon club belge parce que je vis en Belgique et je m'entraîne là-bas. Donc, j'étais en stage en France avec eux et je suis rentrée dimanche, du coup. Et j'ai repris l'avion lundi matin à 6h pour venir ici. Donc, je suis là depuis lundi et pour le moment, tout se passe bien, les entraînements et tout, ça va. Et je repars samedi, du coup, pour Tokyo, les JO. Non, franchement, la piscine ici, elle est bien. La piscine de Rabat, elle est vraiment bien. On n'a pas beaucoup de piscines de 50 en Belgique, donc. Ça fait plaisir de voir qu'ici ils ont. Il y a le CNOM, il y a la FEDE, il y a les entraîneurs, enfin tout se passe bien quoi, ils sont toujours là et voilà, ça se passe bien, la communication et tout, ça passe. Donc. Ici, je vais pour nager le 200 crawl, donc c'est ma spé, donc j'ai de la chance, tant mieux. Mais ça fait longtemps que j'ai pu bien nager un 200 crawl, donc mon objectif ici c'est de faire mon meilleur temps quoi, ou au moins refaire mon temps. Donc on verra bien quoi. Je voudrais remercier tout le public parce que. Je vois qu'il y en a beaucoup qui me soutiennent, donc je reçois souvent des messages sur Instagram ou sur les réseaux de gens qui me disent félicitations, bonne chance et tout ça. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens derrière. Donc merci. La maman, elle est là. La maman aussi qui est là et qui est, enfin, les parents qui sont toujours là. Donc merci à mes parents, merci aussi à mes amis, aux gens qui s'entraînent avec moi parce que c'est grâce à eux, quoi.